L'achat de Su-35 par Jakarta reporté en raison des sanctions US et le risque d'être frappé par des sanctions américaines a poussé l'Indonésie et la Russie à reporter la livraison à Jakarta de 11 Su-35 russes. La mise en pratique du contrat russo-indonésien sur la livraison à Jakarta de 11 chasseurs Su-35 a été reportée en raison d'éventuelles sanctions des États-Unis, affirme le journal russe Kommersant qui cite deux cadres supérieurs dans l'industrie de défense et une source proche du gouvernement russe. Washington serait prêt à imposer ses mesures de restriction dans le cadre de la loi CATSA, Counter America's Adversaries Through Sanction Act ou en français, contrer les ennemis des États-Unis par le biais des sanctions. Cependant, le contrat concernant les Su-35 reste en vigueur, souligne le journal. La Russie connaît elle aussi des difficultés liées à ce contrat. Elle prévoyait en effet d'utiliser dans le cadre de cet accord un crédit octroyé par une banque commerciale. Mais Washington considérerait un tel prêt comme une forme de coopération avec l'industrie de défense russe et pourrait imposer des sanctions contre la banque. Au mois de septembre, l'ambassadeur d'Indonésie en Russie Mohamed Dwaid Supriyadi avait fait savoir que son pays comptait recevoir son premier Su-35 en octobre 2019. Selon le directeur général du département du commerce extérieur du ministère indonésien du commerce, le coût du contrat est évalué à 1,14 milliard de dollars. Le contrat prévoit en outre l'achat par la Russie à l'Indonésie de plusieurs types de marchandises dont de l'huile de palme, du café, du thé et du caoutchouc, pour un montant de près de 570 millions de dollars.